Donc, la famille Cesvéna, dans la collection textile de l'hiver 15-16, c'est la collection ski de randonnée. Particulièrement chez Cesvéna, on utilise deux savoir-faire. Le savoir-faire alpin de la marque, où on utilise des fibres creuses, on utilise des membranes, et aussi un savoir-faire ancestral chez Salewa, qui est l'utilisation de la laine, qu'on utilise notamment sur les manteaux en Lodenne du Sud Tyrol. Donc ici, c'est un vêtement gain de chaleur qui peut tout à fait être utilisé en ski de randonnée parce qu'il a un gros transfert d'humidité, une bonne respirabilité, utilisant uniquement de la laine. Deux types de laine. Laine, ici on voit sur les flancs, qui s'appelle Tyrol Wool, qui est un mélange avec une fibre synthétique bouchonnée qui s'apparente à du polaire. Donc ça veut dire que sur les flancs, bonne respirabilité, bon transfert d'humidité. On voit également qu'on a une construction avec des coutures plates et tournantes. Et également au niveau des poignets, toujours élastiqué avec des passants pour les doigts. Sur le buste, là où on a par contre besoin de la meilleure isolation thermique, on a fait un garnissage sur une construction proche de la doudoune avec un autre type de laine qui est une laine également avec un bon transfert d'humidité qui est traitée, donc une laine bouillie avec beaucoup de respirabilité et de légèreté. Donc l'intérêt de la veste Cesvéna, c'est de se dire, elle m'apporte un gain de chaleur. On voit que dans la construction, ici, on a toujours notre isolation thermique sur le buste, malgré tout de la respirabilité sur le torse, et sur les flancs, toujours ce transfert d'humidité. Donc beaucoup de confort, un bon gain de chaleur et de la respirabilité, et surtout une pièce qui peut être détournée dans la vie de tous les jours facilement, parce que toujours travailler avec des lignes sobres et de manière monochrome.